Bonjour les noobies. On se retrouve pour la partie 4 de Dragon Quest Heroes. On a enfin fini les quêtes annexes. Maintenant, on va avancer dans l'histoire. On est parti pour Sylvia. La forêt des elfes. Allez go. Nos héros ont rencontré un étrange escrimeur du nom de Tommy. Avec lui, ils ont vaincu les ennemis invoqués par le sinistre homme en noir. Colissia est sauvée, pour l'instant. Pour l'instant, l'heure est venue d'aller à Sylvia. C'est parti. Ouais, j'aime bien ce format. C'est cool, j'ai pas de montage à faire. J'aime bien. Je peux retourner jouer directement. On va faire ça, hein, tout le jeu. Voici donc Sylvia. C'est magnifique à dire qu'un jour, je pourrais peut-être déambuler sur ces chemins verdurants seul avec Adina. Ouais, je rêve trop. Ce n'est pas le moment de rêver. À première vue, le village n'a pas l'air d'avoir été envahi par des forces hostiles. Mais si mes soupçons sont avérés, bon, tu vas repartir dans tes stratégies, toi. Quelque chose peut nous tomber dessus à tout moment, c'est ça? Alors on avance. Trop tard, mes amis. Regardez, l'ennemi arrive. Mais nous ne les abandonnerons pas. Mais nous ne leur abandonnerons pas le village si facilement aux armes. Hé hé. On va bien s'amuser. Qu'ils arrivent en masse s'ils veulent. J'ai tout mon temps. Oh, bon, lui. Ça suqué, hein. La base. Ouais, mais c'est tout petit ici. Bon, je vais vous calmer. Je vais rentrer dedans comme ça, là. Ah, ça bouge. Se déchaîne avec une volée de coups critiques à faire pleurer. Non, tu vas être ma cible, hein. Allez hop, boum. Trois coups. Ah, pas mal. Pour les gros, ça. Ça va les déstabiliser, peut-être. Hop, petite glace. À base, hein. Il a vite fait celui-là. Des méchants volants, des chimères. Patience, mes amis. Nous devons attendre qu'elles descendent pour pouvoir les atteindre. D'accord. En descendant, elles vont cracher des grandes flammes. Restez sur vos gardes. Je vais laisser parler en anglais d'abord. Aux anglophones, ils regardent éventuellement. Sentinelle prend de haut et défend fièrement sa position. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Il fait rien. Tiens. D'accord. Tu peux rater mon coup. C'était trop. Voilà. Ah, je parle pas assez fort en fait là. Faut que je parle plus fort que ça. Regarde ce chevalier avec leur bouclier.
Hein? Merde, oh, chiot. Vous avez oublié ce mode. Matérialiste. Scorp fonce vers l'avant, pulvérisant plus de 60%. C'était hop. Il a rebondi sur lui aussi. Terminé tout de suite. Pas le temps. Voilà. Oh, on m'a des dégâts. Morceau de lave, quand il y a un rocher peut-être qui me donne ça. J'ai pas fait attention. C'était les derniers, néanmoins, je trouve qu'ils étaient particulièrement nombreux, sachant que nous n'étions qu'à l'entrée du village. Ça s'annonce mal. Ouais, j'avoue. Da, en effet, j'ai prié avec ferveur pour qu'aucun mal ne soit fait aux doyens et aux siens. Ils n'ont que faire des prières, fiston. C'est de notre aide qu'ils ont besoin, il faut chasser sans plus attendre ces monstres qui sont entrés. Sa majesté est dans la vérité, nous devons libérer le village au plus vite. Ben, c'est parti là. Voilà, on se chante pas avec tout le monde. Ok. Désolé, mais. Hein, je vais avancer. Hein. Je ramasse les items et puis je pars. Que je cours plus vite. On va avoir des astuces quand même. Pas déconner. Sylvia et le village sacré des œufs, de là. Bon, genre de choses. On enchaîne. Hein. Balayé devant sa porte. Nos héros sont arrivés dans le village verdoyant de Sylvia. Les démons les y ont précédés. Dépêchez-vous d'y entrer et de vous assurer que les œufs sont sains et saufs. Non, on était juste sur le pont pour l'instant. Ok, maintenant c'est juste l'entrée. Cette porte marque l'entrée du village. Les maisons des elfes sont juste derrière. Nous devrions entrer pour voir si... Pas si vite. On a de la compagnie. Et je parie qu'ils seraient ravis qu'on leur offre les... qu'on leur ouvre les portes. Ouais, c'est déjà les papas. Grrrr. Comment j'ai fait ça? En poursuivant notre chemin,
Nous les conduirions au cœur du village elfe. Nous devons interrompre notre progression. Dans ce cas, notre stratégie est claire. Nous devons protéger la porte du village et repousser l'envahisseur. Ouais, ça me paraît évident. On va prendre un collègue. Et maintenant. Alors, c'est là les morceaux de lave. Non mais oh, je pars à la porte. Hein? Oui. C'est fait. Oh voyez, je suis pas où. On va laisser un garde ici. Hop. Ah, des diablota. Mais j'aurais peut-être pu avancer en fait. Même pas y prêter attention. Ah, je cherche la maison. Allez, il est là. Blinder la défense maintenant. Hop, voilà. Fait chier, hein. Médaille de vampimage. Lance une méga altération pour épuiser la défense ennemie. Ah, c'est bien ça, pour le même produit. Stop. D'accord. Ou sur les boss même. Il va y avoir une arme qui passe au travers de ça. La garde. Je vais pas me faire chier à chaque fois. Ah ouais, toi tu passes comme ça. Ouais, je passe plus maintenant. On termine, pas le temps.
Ah merde. C'est malin. Ah, je le fasse tomber. Je l'ai. Next. Un minerai de platine. C'est rare, ça. Dans ce cas, il faut entrer et sauver le village vite. Passons le pont. Continue d'avancer. Là. Ouais. On y va. Hein. Petit coffre. Ouais. Je m'en serais douté. Hein. Les pressés vont tout droit. Mission achevée. As long as we win, that's all that matters. Piouf, je crois qu'on a réussi à endiguer l'invasion. En effet, mais ça ne veut pas dire que d'autres monstres n'ont pas réussi à entrer dans le village. Le doyen et ses sujets de leur maison sont peut-être en danger. Le centre du village se trouve juste de l'autre côté de ce pont. Gréard. Je ne sais pas du tout comment prononcer ça. Alors, sergeons sans plus attendre et... Ah, pardonnez-moi mes amis. Vous devez être exténués après un combat aussi intense. Retournons à l'Aeroc et profitons d'un moment de répit avant de revenir franchir le pont. Ah oui, ok, clairement. Bon, ce coup-ci, puisqu'ils nous ont forcé à revenir. Peut-être parler. Bon. Toujours pareil, hein, ce mec-là. Tommy parvient à conserver son excellence à une fréquence constante. Ok. Sa puissance est très supérieure à celle de la tsarine. Miette impossible. La tsarine est trop invincible pour cela. Tommy est indéniablement doué au maniement de l'épée. Si seulement il faisait preuve d'un peu plus de respect pour mes stratégies. Tu es libre d'inviter qui tu veux pour cette petite virée, mais ne t'attends pas à ce que je m'entende bien avec tout le monde. Ok. Alors, il y a dans ce monde un peuple intitulé Elf.
j'invente des mots, hein. Je me demande s'ils ont une ressemblance avec les elfes de notre monde. J'ai l'impression que Tommy nous cache quelque chose. Je me demande si j'arriverai à lui tirer les vers du nez. Comme d'hab, hein. J'ai cliqué. Bon. Ouais, ok. C'est toujours de la merde, hein, à base. Est-ce qu'on a des quêtes? Non, il n'y en a pas. Tant mieux. Un petit peu d'histoire. Vous voilà, mes jeunes capitaines. Que direz-vous de nous préparer au combat qui nous attend avec une séance d'entraînement sur l'île aux épreuves? L'île aux épreuves? Votre Majesté? Il s'agit d'un endroit sacré bien connu des guerriers depuis les temps jadis. Et où leur courage est mis à l'épreuve. Depuis les temps jadis. Ah ouais, je savais même pas que ça disait. Ceux qui sortent victorieux des épreuves qui les attendent ont le droit de prétendre à de nouveaux pouvoirs. Je n'arrive pas à croire que je n'en ai jamais entendu parler. Pendant combien de temps comptez-vous nous cacher ça, votre majesté? Bon, il rigole, vous l'entendez? J'attendais simplement le bon moment, mon enfant. Il est arrivé. Lorsque vous serez prêt à vous y rendre, veuillez parler à la maîtresse des quêtes derrière son comptoir. Ok. Quête numéro 1. Il y a plus de 100 quêtes. Ça va être long. Leçon de téléportation. Dragon. Tu veux de nouveaux pouvoirs, c'est ça? Alors descends jusqu'ici et passe une épreuve. J'ai un sort à t'apprendre qui te facilitera grandement le combat. Rendez-vous à l'île aux épreuves quand tu seras prêt. Pas avant. Ouais, go. Ok. C'est parti, hein. Moi, je suis prêt. Regarde, jeune capitaine, une grotte mystérieuse a été ajoutée à la carte du monde. On dit que ces grottes sont des portraits vers des lieux situés hors de l'espace et du temps. Ah, carrément. Pour perfectionner ses talents de combattant. Cela mériterait peut-être d'être creusé, non? C'est parti, hein. Dragon vous invite à tester votre force lors d'une épreuve ardue et vous promet une incantation d'une ingéniosité inestimable en cas de victoire. Courage, rendez-vous sur l'île aux épreuves pour relever cet éprouvant défi. Non, pas mal les doules. Waouh. Ça se parle ici ou quoi? On fait pas de ce mob. T'as passé par la quête. Je ne t'avais encore jamais vu dans le coin. Qu'est-ce que tu veux? Après la musique, ça me fait chose. Allons, mon vieil ami. As-tu déjà oublié ton élève d'autrefois? Wow. Ok, c'est mon perso. J'ai rien dit. Flûte, c'est bien ma veine. Je reconnaîtrai ce rire idiot n'importe où. On peut pas dire que les Indiens aient été clémentins, majesté. Eh, vous n'avez pas le droit de parler comme ça au roi. Du calme, capitaine. Dragon ici, j'aime pas son nom, Dragon ici présent est le gardien de cette belle île aux épreuves. Nous nous connaissons depuis que je suis Jouvenceau. Ouais,
Alors lâche-nous la grappe si tu veux que ça se passe bien. Oh, mais voilà, lui parle mieux. Lui parle bien. Bon, Doric, j'imagine que tu n'es pas là pour une visite de courtoisie. Tu viens passer une épreuve ou quoi? Ok, il fait rire. Il fera calme comme moi. Pas moi, mon vieil ami. Aujourd'hui, c'est la jeune et courageuse capitaine que voici qui a besoin de tes services. Capitaine, cette demi-portion mal dégrossie, j'aurais vraiment tout entendu. Bon, quand même pas. Hein. Un petit peu poli, hein. Arrêtez de me fixer comme ça, j'ai un truc sur la figure, c'est ça? Tu dois apprendre à fermer ton clapet. Oula, carrément. Mais je perçois quelque chose sous ton air niais. Ce ne serait peut-être pas du temps perdu, finalement. Oh my god. Bon, elle est haute, hein. Bon, mettons-nous au travail. J'ai l'épreuve qu'il faut pour une freluquette comme toi. Une freluquette comme toi. Appelle-moi quand tu seras prête. Une petite freluquette. Te voilà prête pour ton épreuve, ça vaudrait mieux. Bon, puisque de toute évidence tu es totalement novice, on va commencer par des choses faciles. Cette fois, tu vas apprendre la téléportation. La téléportation est un sort bien pratique qui te permet de te déplacer partout en un clin d'œil. Ouais, ça m'intéresse. Pour l'apprendre, c'est simple comme bonjour. Si tu as un minimum la tête sur les épaules, tu pourras filer d'un point à un autre du champ de bataille en un rien de temps. Oh, merci. Oh, le sort ultime. Moi, je pensais qu'on devait courir plus vite. Mais assez de blabla. Passons aux choses sérieuses, si tu veux. Mon dieu. J'ai tellement gagné du temps avec ça. Bon, commence, débouche-toi tes esgouages et je t'explique en quoi consiste cette épreuve. La téléportation est un sort très utile qui te permet de passer d'un endroit à un autre aussi vite que tu veux. Bien, lis ces instructions et tu devrais être au point en un rien de temps. Téléportation 1, ouvrez l'œil dans les châteaux, les villes et les donjons pour ne pas rater ces mystérieuses pierres qui flottent dans les airs, les fameuses télépierres. Ah, d'accord. Et les points de téléportation. Quand vous êtes près d'une télépierre, maintenez X pour vous y relier, ce qui vous permet de revenir dans cet endroit à votre guise en utilisant la téléportation. Ouais, c'est pas la fête, hein, tu peux pas aller où tu veux. Pour lancer le sort de téléportation, c'est mieux que rien. Pour lancer le sort téléportation, maintenez R1 et appuyez sur croix lorsque vous contrôlez Lucius ou Shoshanina. Ok. C'est ça. Maintenant, choisis l'endroit où tu veux aller. Tu peux te téléporter dans tous les lieux marqués d'une plume. Ouais. Il n'y en a aucun pour l'instant. On redescend. C'est comme ça que ça marche, la téléportation. Allez, un peu d'entraînement maintenant. Essaie de te téléporter dans différents endroits de la ville. Ok. Mais il n'y a pas de... Exceptionnellement, pour vous rendre service, Dragon a déjà activé toutes les télépierres de cette zone. Essayez de vous téléporter vers toutes les destinations disponibles en utilisant la téléportation, mais gardez un œil sur votre jauge de PM. Ah, ça prend du PM en plus. Ok. Utilisez pour... Ok. Bon. Hop. Bon, voilà. Ah, c'est craqué. Demande de speed.
On dirait que tu as pris le coup de main. Bien, essayons maintenant en plein combat. Téléporte-toi, Fissa, partout dans la ville et empêche les mondes d'accéder à la racine. Ok. Non, puis je vois même pas. Ah, mais ça m'énerve quand j'oublie des mobs comme ça. Là. On va faire le maestro monstre, puis on revient au début. Et des pop. Ah. Merci. Ah, c'est le ménage. Et tout en haut. C'est vraiment la merde, tu vois. Et non, je t'ignore. Ah, tu fais chier. Allez, pour les papes. Au dernier moment. Ça c'est marrant. Allez. Cassez-vous. Ah, j'ai oublié un mob peut-être. Je suis très doué. Il met un petit coup de marteau. On file et utilise la téléportation. Ok, on a fini. Ah, c'est cool ça. Ah bah j'espère qu'on va avoir d'autres pouvoirs. Histoire d'enrichir le gameplay.
Et voilà, épreuve de la téléportation ici. Je t'avais dit que c'était facile. Fais un bon usage, tu veux, ce sort-là, il peut te sauver la vie. Quand des ennemis t'attaqueront de tous les côtés, tu lui seras reconnaissant d'exister, crois-moi. Ah ouais, ça va arriver en plus. Il n'y a rien de plus gratifiant que de se téléporter dans le dos d'un groupe d'ennemis et de les attaquer par leur angle mort. Enfin, en supposant que tu ne sois pas une andouille finie, tu t'en rendras vite compte par toi-même. Bon, maintenant file avant que j'en ai assez de te voir. Oh, on sait que t'es un gentil. Oh, attends une minute. Eh ben voilà, donne-nous quelque chose là. J'ai oublié de te dire un truc. Tu as déjà croisé des cartes au trésor de ci, de là, dans tes voyages, je suppose. Ouais. Oh, vous voulez parler de celle qui mène à ces grottes bizarres? Ouais, celle-là même, bon. Eh bien, ces grottes ressemblent beaucoup à l'île aux épreuves. Ce sont des sortes de portails vers d'autres lieux. Et les lieux en question sont pleins de... à ras-bord de mon super costaud qui rêve de baston. Alors, si tu as envie de te muscler un peu, ce serait pas une mauvaise idée d'aller en visiter un ou deux après ça. Viens pas te plaindre que je ne te dis jamais rien d'utile. Bon, on le faisait déjà, t'inquiète pas. Je l'admets, j'ai commencé par me dire que Gragon n'était qu'un horrible petit grincheux, mais il connaît son affaire. Je crois même qu'il est attentionné sous ses airs revêches. Ouais, c'est tellement... Bref. Bien dit, mon enfant. Il a beau être un vieux grincheux grossier, son cœur est à sa place. Est-ce qu'il est vraiment chargé de s'occuper des épreuves depuis que vous êtes jeune, votre majesté? Tout à fait. Et je parierai qu'il tenait déjà ce rôle bien avant cette époque-là. Je ne me souviens pas avoir entendu dire que quiconque à part lui était gardien de cette belle île. Il a des milliers d'années en fait. Mais alors, il est... comment dire ça? Mais oui, mon enfant, d'un âge canonique, plus vieux que moi-même. Du coup, je le crois, l'île aux épreuves est un lieu mythique qui échappe aux champs triviaux de l'espace et du temps. La notion d'âge ne s'y applique sans doute pas. Ah, ça expliquerait comment il arrive à nous expédier d'un claquement de doigts dans des lieux complètement différents pour nous offrir une sorte de test personnalisé. Tu comprends vite, mon enfant. Et à ce propos, si tout se passe bien, cela ne sera sans doute pas ta seule visite dans le royaume si particulier de Gragon. L'île s'adapte afin de fournir d'autres épreuves aux concurrents à mesure que leurs compétences se développent. Le moment venu, de nouveaux défis destinés à tester tes capacités seront mis à ta disposition. Entraîne-toi dur, jeune capitaine, et la prochaine épreuve arrivera bien vite. Ouais, d'accord. Ouais, j'aime bien ce speed, on va le mettre. Bon, faudra bien tester un moment, voir ce que ça fait. Bonus S. Ouais, c'est bien toi. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Bon, on devrait plus avoir grand chose maintenant. Je vais avancer. Des fois, j'ai envie de prendre que des coffres, même pas du chaud-baril. Ah, me parle pas. C'est parti, hein, on a vendu ça. Chacun sa voix. L'équipe a réussi à rejoindre les premières habitations des elfes, mais une menace plane dans l'air. Les monstres lancent un nouvel assaut. Chassez-les et défendez le village. On y va, hein. Petite cinématique qui va bien. Les monstres nous bloquent la route. Ouh, c'est une autre couleur. Il en arrive derrière nous aussi. Secouriste. My strategy is this. First, I will engage the monsters directly ahead of us. While I keep them occupied, the rest of you will divide into two units and spread out. Non, je vous laisse lire, c'est mieux. Basically, you want us to lure them into a pincer movement and smash them to bits, right? I do. J'ai pas le temps de lire moi-même. Let's get on with it. Legendary bandit turned hero coming through! Oh, Peachy, this end, Jessica! Over to you! Hold on a minute. You sure this is a good idea? God blimey! Everyone get down! Take this magic pass! Un de tension. You all right, Bluey? You don't look like you're hurt anyway. I was worried I squashed ya. That was fun, wasn't it? Oh, you don't think I overdid it a little, do you? A little? You having a giraffe, ain't ya? You almost frazzled the lot of us! I'm sorry to have inconvenienced you, your worship. Ugh, this is the problem with you. You get your knickers in a twist over the tiniest thing. How many times? They ain't knickers. They're the boxers of a legendary bandit turned hero. Oh. Thanks for helping us out back there. Who exactly are you? Bah, il vient de Dragon Quest 8, quand même. Bah. This will probably seem a little hard to believe, but we just arrived here from another dimension. I'm Jessica, and this delicate flower here is Yangus. The monsters in your world have all gone a bit crazy, I hear. Well, how to explain? Let's say a friend of ours asked us to come and investigate why. Yet more travelers from other worlds? What exactly could all this mean? Intriguing. Unlike Terry and Elena, our new arrivals are plainly aware of our plight. Ouais. Well, it's been nice meeting you, but we'd best be on our way. Bye for now. Well, out your horses, Jessica! You can't just go running off like that! Well, they're an interesting pair, aren't they? You can say that again. Look, they're back to their bickering already. Seems they can't even agree on which way they're supposed to be going. We too must choose a way forward. Come, friends, onward. Right. That's
yourself, why don't you? Combien de fois je vais devoir le répéter? C'est par là. Tu peux aller où tu veux, mais ce ne sera pas de ma faute si tu arrives trop tard auprès du doyen. Oh, lâche-moi la grappe, d'accord. J'ai été un bandit. J'ai passé les plus belles années de ma vie à arpenter des endroits comme celui-ci. Et crois-moi sur parole, c'est par là. Bien, et comme tu veux, par la chasse au Dahu. Au Dahu. Si ça te chante, moi, je passe par là et je vais sauver tout le monde, ok? Rendez-vous chez le doyen si tu arrives un jour. Attends une seconde quand même. D'accord, fais ce que tu veux. C'est pas comme si elle ne savait pas se débrouiller toute seule. Moi, je vais suivre mon instinct. Oh, alors là, c'est le comble. Ils sont partis dans deux directions différentes. Nous aussi, nous devons choisir un chemin et se séparer serait trop risqué en plus. Tu te rends compte que personne, que pendant que tu racontes, ils sont peut-être en train de se faire attaquer. On y va. On fait de côté, hein. Parfait. Hop, à gauche. Un peu mieux au niveau de la dépop. Bonne patate, je prie. C'est chaud, hein. J'ai tellement viandé. Oui, qu'est-ce que je veux faire? Au début, hein. Je sais pas. Au bouillant. A spot of sparring, eh? I'd be happy to, once things calm down a bit, of course. Miss Jessica, please, this is too much. You will only to encourage Sarevna's recklessness.
work. Il va falloir que j'utilise beaucoup mieux les objectifs. Non, ça vous entend lui. Terminé. J'appuie R1 3, juste pour que le faire. Hourra, les monstres sont vaincus. Mes amis, encore une fois, la victoire est à nous. Merci d'être venu à la rescousse. On peut dire que vous savez vous battre. Vous m'avez sorti d'un bien mauvais pas. Je vous le garantis. Hey Jessica, et si tu venais avec nous, tes talents de magicienne pourraient nous être bien utiles. C'est pas juste le fun. Oh, c'est adorable, j'adorerais. Mais Yangus et moi avons des choses à faire. On doit aller voir le doyen. Si vous pouvez patienter, je suis ravi de me joindre à vous ensuite. Ah bah ça m'arrange, hein. Je parie sur les pertes. Inutile ma chère, inutile. Nous devons nous aussi aller trouver le doyen pour le mettre hors de danger. Il semblerait que nous suivions le même chemin. Alors d'accord, merci infiniment. Déjà 54 minutes. Salut, hein. On voit pas le temps passer. Morceau de lave. Ah, je vais enfin pouvoir mettre mon item. And what can I do for you? Ahem. Ready? Choose wisely now. Okay. Résistance au blocage. À nous simplement, non. Résistance au blocage. Ça passe à travers les boucliers. Distance au poison. Moi, c'est plus pour moi. Résistance secousse. Anneau revitalisant qui soigne les muscles. Je fais ça. Je vais faire. Ah, ça commence. Gros coquillage, il me manque. Je vais sauvegarder avant de le faire. Le fail. On va parler.
Jamais je n'aurais pensé me retrouver un jour sur un vaisseau volant de cette taille. Youngus va être vert de jalousie quand je le lui dirai. Je me demande comment il s'en sort en bas. C'est un vieux bougon. Ok. Et nous avons beau nous quereller souvent, je suis tout de même inquiète à son sujet. On pourrait même dire qu'il me manque un peu. Un petit peu. Youngus est trop génial, tu crois qu'il voudra bien être mon ami? Non. C'est vraiment le meilleur. Crois-moi, il n'aura jamais trop d'amis. À plus forte raison d'amis qui le trouve génial. Je le pense vraiment d'ailleurs. Tu es un drôle de petite lure. Youngus m'a sauvé quand j'ai failli me faire écrabouiller. Il est si fort, si gros et si gentil. Il est vraiment sur terre. Gna gna gna. Jessica prétend venir dans notre monde. Comment a-t-elle eu connaissance de la crise qui secoue le nôtre? Alors, on le sait dans le prochain épisode. Je t'en prie, si la tsarine est choisie pour participer au combat, tu dois aussi m'inclure. L'inquiétude me rongerait si je devais m'écarter. Il est facile d'oublier qu'on est dans les airs à bord de l'aéro. De l'aéro, c'est vrai, j'oublie complètement. Les secousses et le vent ne se font pas ressentir. Kirill oublie peut-être aussi, j'espère pour lui. Génial, un bandit obèse et une magicienne incapable de contrôler ses propres sorts. Pile ce qu'il nous fallait. D'où ils sortent tous ces gens venus d'autres mondes. Et toi, tu sors d'où? Nous sommes à deux doigts de reprendre possession de Sylvia. Mes amis, tenez-vous prêts à plonger une nouvelle fois dans le matériel. Je suis prêt, je suis prêt. On va craft l'anneau hors ligne. Enfin, je veux pas le montrer dans le stream. Ça ne prendra pas de temps. Surtout qu'on arrive à une heure de gameplay. Faut que je coupe. Enfin, je pensais qu'on finirait Sylvia d'une traite, mais en fait non. S'arrête là. C'était la partie 4 de Dragon Quest Heroes. Et je vous attends pour la prochaine partie. Adieu.